Everybody call him a Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pris la fois, n'est-ce pas, t'abonner, tu viens d'arriver, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, même petit j'aime déjà en avance. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action et créer ta vie sur mesure. Et pour ça les gars, il va falloir faire un petit peu d'argent. Donc avant que tu crées l'arnaque, regarde quand même l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, ok, et ça te montrera en fait les stratégies pour pouvoir créer son business en ligne, commencer à générer de l'argent en ligne. Donc, à moins de créer l'arnaque, parce que je sais que tout le monde est très calme-toi, ça va bien se passer, calme-toi. Regarde, c'est gratuit, c'est offert. Après, tu me diras ce que tu en penses. Et deuxième chose, c'est la formation Pirate Marketing. Ça, c'est si jamais tu me connais déjà. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. En plus, si tu passes par le... Parce que maintenant, tu peux avoir accès via le CPF si jamais tu veux. Et tu auras aussi accès à l'incubateur si tu passes par le CPF avec le bootcamp, les coachings, que surtout, ok. Donc, si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien dans la description. Tu peux avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. C'est aussi gratuit, c'est offert, tu pourras poser toutes tes questions. Et voilà, et puis après, si jamais tu veux y accéder, bah, tu pourras y accéder. Et ça prend 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre. La vie, c'est pas magique, les gars. Devenir riche du jour au lendemain, ça n'existe pas. Mais par contre, si tu charbonnes, il y a moyen de faire quelque chose. Parce que nous, on a grandi à Évry dans 91, on a redoublé le BEP. Le BEP est trop technique. Ouais, je suis un ancien, ça n'existe plus, BEP. Hein? Et pourtant, ça fait plus de 3 ans, 4 ans qu'on voyage. Arrêtez de chialer, les gars, si tu fais rien, il va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc, Chris Rock, il a pris son temps, mais ça y est, il a répondu. Enfin, il a répondu. En tout cas, il a donné son avis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Chris, ça fait un an qu'on est là. Alors, Chris, hein? La gifle, ça a fait mal ou c'est, ça a pas fait mal? Quoi, alors? Lui, il dit, non, je ne dis pas, j'attends. J'attends pour voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, c'est bon. Donc, les gars, il a répondu lors d'un show sur Netflix, un live. Je te laisse regarder ce qu'il dit un petit peu et puis on en rediscute. We all been cheated on. Everybody in here been cheated on. None of us have ever been interviewed by the person that cheated on us on television. None of us. It's like, hey, I was sucking somebody else's. How did that make you feel? She hurt him way more than he hurt me, okay? Everybody called him a Everybody. And who's he hit? Me. Donc du coup, si jamais tu veux savoir pourquoi il n'a pas réagi, parce qu'à un moment donné, il en parle, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te dire exactement pourquoi il n'a pas, ben, il a pas essayé de se battre sur scène, etc. J'ai gardé ça pour la fin, le meilleur pour la fin. Donc du coup, en tout cas, tu pourras dire tout ce que tu veux sur les Américains, mais tu ne pourras pas leur enlever leur sens du profit. Hein? Ça, c'est quelque chose que tu ne pourras pas leur enlever. Alors si jamais tu ne le sais pas, je t'informe qu'il a été payé 40 millions. Hein? Était payé 40 millions pour pouvoir faire ce show live sur Netflix. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'en plus, il avait dit ça. Il a dit, moi, les gars, alors, Chris, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'en penses? On sait pas trop vraiment. Alors, il a dit, non, les gars, c'est celui qui paiera le mieux. Donc là, il était là. Bon, alors, les gars, 10 millions, TF1, 10 millions. Non, les gars, non, je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Amazon, 10, 20, tu commences à parler français. Voilà. Netflix, il est arrivé, il a fait 40 millions. Il a dit, ah, 40 millions, les gars. Je pense qu'on a un deal, les gars. Je pense qu'on peut déjà partir sur un accord verbal. Hein? Alors, par contre, je voulais juste quand même, il y a quand même une condition, les gars. Alors, Netflix, ils sont là, ouais, bah alors, c'est quoi la condition? Parce que là, 40 millions, on est bien quand même, hein. Ça me va très bien, j'aime bien le concept et tout. Premier live Netflix, c'est moi qui le fais, je suis payé 40 millions. On est bon, les gars. Par contre, j'aurais une condition minimum, c'est que j'aimerais que ça se passe dans la ville de... Comment elle s'appelle l'autre bête sorry. L'autre... Jala Pickett. C'est quoi sa ville? Baltimore. Parfait. Baltimore. Donc, il faut que ce soit à Baltimore. Tu connais, on fait des petits insights, voilà, c'est cadeau. Hein. Donc, le gars a été payé 40 millions pour pouvoir jouer dans la ville de Jada Pinkett et pour pouvoir utiliser le mot « bitch », voilà, qui signifie, ben, je sais pas, qui signifie, c'est pas gentil ce qu'elle... Qui signifie, je peux pas le dire sur la vidéo, je vais te censurer ou un truc comme ça, non? C'est une insulte en tout cas.
Voilà. C'est une astuce. C'est le mot que les filles aiment bien utiliser entre elles. Voilà. Donc du coup, de toute façon, tu connais Betch quand même. Hein. Donc voilà, il a utilisé ça dans la ville de Jada. je sais pas si ça fait plaisir ou pas, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Mais finalement, je dis qu'il l'a appelé comme... il a utilisé le mot B. Betch, il a utilisé le mot en disant que les autres l'ont appelé comme ça. En plus, il les a balancés. Parce que là, l'extrait que je t'ai donné, on voit pas. Mais il a dit, ouais, tout le monde l'a appelé Betch. Tout le monde l'a appelé Betch. Charlemagne, Charlemagne de Breakfast Club. Il l'a appelé Drink Champs aussi. Hein, tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qui l'a frappé? Moi. Bon, ben ouais, forcément. Mais après, c'est intéressant comment il revient aussi sur... c'est un truc qui est vraiment réel et c'est vrai que... Tu sais, quand tu le dis sous forme de blague, ou même le fait qu'il revienne dessus, tu te dis, mais c'était vraiment un truc de ouf quand même. Quand tu dis, tout le monde s'est fait tromper, mais à aucun moment tu te fais interviewer par celui qui t'a trompé. Bah alors comment tu te sens? C'est quand même, quand tu reviens dessus, c'est quand même un truc de ouf. Et si tu remarques bien, il n'y a personne qui, entre guillemets, attaque Will Smith par rapport à sa situation. On sait très bien qu'il est la victime, le pauvre, dans cette histoire. Hein, là, c'est ce qu'on appelle bêta. Et c'est pour ça que dans beaucoup de mes vidéos, je te rappelle, l'argent et le statut n'est pas suffisant. Si jamais tu connais rien à la nature féminine, tu vas te faire manger comme Will Smith se fait manger. Il n'a aucune idée de comment faire kiffer sa femme, de comment la rendre heureuse. Il ne sait pas, en fait. De comment faire pour qu'elle puisse m'aimer, il ne sait pas, en fait. OK? D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, il y a les secrets de la nature féminine en description. Zeus, c'est le secret de la nature féminine. Aujourd'hui, tu peux pas. À l'époque, tu pouvais te passer de pas connaître la nature féminine. Aujourd'hui, entre tous les courants divergents, toutes les croyances féminines, il faut que tu connaisses. Parce qu'on t'a menti. OK? Donc, bref, personne n'attaque Will Smith parce que Will Smith, c'est juste une victime malgré la du statut et de l'argent. Regarde comment il est frustré, regarde comment il n'arrive pas à gérer avec cette femme-là, tu vois. Et voilà les actions que ça le pousse à faire. Tu imagines, le gars, il s'est pris une gifle par Will Smith, il n'est même pas vénère pour Will Smith. Il parle de Jada pour te dire tellement tout le monde a capté le truc, tu vois. Après, ça n'enlève pas le talent de Will Smith, son statut, l'argent qu'il a, etc. Mais cette partie, gars, de sa vie. En plus, il a exposé au monde entier. Et ça, pour moi, ça, c'est des moves de bêta. Bon, de toute façon, là, je pense que c'est un secret pour personne par rapport à que ça soit un bêta. Mais après, les gens, des fois, j'entends des commentaires plutôt. Les gars, bêta, c'est pas genre, ça veut dire le gars, il sait pas se battre ou genre, il peut pas avoir d'argent. Ou... Le problème avec le bêta, c'est qu'il a aucune idée de comment faire kiffer une femme, en fait. Il a aucune idée de comment agir pour pouvoir plaire à la femme qu'il désire. Mais ça n'enlève rien à toutes ces qualités qu'il peut avoir. Est-ce que c'est un gentil gars? Est-ce qu'il est fort? Ça n'a rien à voir. C'est juste d'un point de vue relation homme-femme, il est complètement perdu. Il fonctionne à l'envers. Et donc, du coup, bah, la femme, elle est complètement repoussée. Tu vois. Et pour revenir à ce que je disais, pour moi, c'est un move de bêta. Pour moi, c'est un truc genre, comme je ne peux pas te faire du mal, genre... Je sais pas, peut-être que si j'allais voir ailleurs, ça va te faire du mal. En fait, peut-être qu'elle s'en fiche aussi. Tu vois, comme il sait pas de quelle manière lui faire du mal, les bêtas, ce qu'ils aiment bien faire, c'est que genre, je vais montrer à tout le monde que tu m'as trompé. Et on va aller sur la table, c'est quoi, Red Table, son émission. On va aller sur Red Table, comme ça, je vais t'afficher. C'est ça, souvent, les bêtas, ils font ça. Parce que tu vois des gars qui font des vidéos, quand sa meuf, il voit que sa meuf est en train de le tromper. Eh ben il va filmer. Il dit, ouais, regarde, maintenant tout le monde sait la vérité. Tout le monde sait. Ça veut dire qu'en fait, tu sais très bien que s'il n'y a pas, il y a que ça que tu peux faire pour pouvoir genre la mettre en pression ou lui faire du mal, tu vois. Parce que si jamais il n'y a pas ça, ben tu sais très bien qu'elle s'en fiche en fait. Elle va même pas te calculer. Parce que si on revient sous la table, le Red Table là qu'ils ont fait, c'est quand même un truc de ouf quand même. Ça veut dire qu'aux yeux du monde, la meuf, elle assume même pas. Elle dit que c'était un entanglement. Ok, ça veut dire que devant tout le monde, elle montre qu'est-ce qu'il y a. Non, c'est pas ça. C'était un entanglement. Et sans pression, oui, bon, j'ai couché. Oui, j'avais une relation intime, avec le meilleur ami de notre enfant. Tu vois bien que le respect, il n'y a rien en fait. De toute façon, tout le monde se confirme en fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect. Même si tu veux coucher avec quelqu'un d'autre, ok, t'es pas satisfait ou tu kiffes pas ton mari, etc. Tu vas pas coucher avec le meilleur ami de ton fils. Attends, quand même, il y a un minimum de respect, tu vois ce que je veux dire? Quand même, pour ton mari, un minimum de respect.
Tu veux quoi? Tu veux le tuer ou quoi? Tu veux le tuer de l'intérieur? Qu'est-ce que tu veux? Prends quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un d'autre. Pourquoi tu prends le meilleur ami de ton fils? Il y a vraiment zéro respect. Je ne prends soin en rien de ton feeling, de ce que tu vas ressentir. Je n'ai aucun respect pour toi. De toute façon, ce n'est pas un secret, on l'a vu. Hein. Et ce qui est fort dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais vu, enfin, on n'a jamais attrapé Will Smith tromper sa meuf. Alors qu'il dit, ouais, oui, dans le Red Table, durant cette période, moi aussi, je suis parti faire mes trucs. Mais on n'a jamais vu Will Smith, comme si j'ai l'impression peut-être qu'il ne l'a jamais trompé. Je me dis ça. Même s'ils disent qu'ils sont sur un mariage ouvert, j'ai l'impression que c'est plus ouvert pour elle, hein, on dirait. Ou peut-être qu'il est plus malin, tu me diras, et qu'il ne s'est pas fait cramer. Mais comme si j'ai lu sa biographie, et je sais que c'était un gars fidèle, parce qu'il l'a dit dans sa biographie avec sa première femme, et que même qu'il allait en tournée, il ne trompait pas sa meuf, ok, je me dis qu'il est plutôt tendance comme ça. Voilà, bref. En tout cas, chacun ses problèmes, hein, comme dirait l'autre. C'est son choix, il fait ce qu'il veut, c'est sa life. C'est juste, évite de gifler les gens. Bon, après, c'est bien. Heureusement que Chris Rock, il a le sens du profit et qu'il a su retourner le truc comme ça. Mais c'est quand même un truc de malade. Et donc, du coup, tu te dis, mais attends, mais alors, ouais, alors c'est, pourquoi il s'est pas battu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, je laisse regarder la vidéo où il explique pourquoi, du coup, il s'est pas battu. Parce que même si, genre, il est plus grand ou il est plus fort, etc., devant tout le monde comme ça, tu vois rouge aussi, tu as envie de répondre, hein, tu essayes de faire un truc au moins. Donc, je te laisse avec sa réponse.